Récemment, j'ai eu un week-end tranquillou et j'avais envie de passer ce week-end tranquille. Tant mieux parce que ce début de semaine n'est pas tranquille du tout. Nous sommes le lundi, je sais plus combien. Oui, si, nous sommes le lundi 13. Voilà, faut croire que le 13, cette année, ça me porte trop la poisse. Voilà, la dernière fois que c'était un 13, donc c'était un vendredi 13 du mois de décembre. J'ai dû faire changer les clignotants de la Seat parce que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ce matin, normalement, je m'étais préparée pour aller à ma formation sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Voilà, donc ma formation commençait à 9h jusqu'à 17h aujourd'hui. Même chose pour demain, donc de 9h à 17h. Donc ce matin, je m'étais préparée, j'avais préparé Théo que je devais emmener chez la nounou pour 9h moins quart. Donc tout s'était très bien déroulé, Théo était tout prêt, même pas pleuré, rien du tout. Du coup, je vous reprends même endroit, même histoire, mais à peu près 2 heures plus tard, puisque entre-temps, j'ai eu plein de coups de fil. J'ai cherché Théo chez la nounou, puisque oui, donc j'expliquais ce matin, Théo était prêt pour partir chez la nounou, donc je l'ai installé dans la voiture, etc. Premier feu qui était au rouge, pas de souci, la voiture a démarré, etc. J'ai laissé passer 2-3 enfants au passage piéton pour ils allaient à l'école, et au moment de redémarrer, j'ai entendu un gros crack et la voiture n'a plus bougé. Donc ça y est, j'ai dû la pousser sur le bas-côté comme je pouvais, mis les warnings, sorti le triangle, etc. Et voilà, donc pas de voiture pour la journée, pas de voiture pour demain non plus. Du coup, j'ai appelé un ami qui est mécano, qui m'a enlevé le cardan, puisque c'est le cardan avant gauche qui est cassé. Et donc, la pièce a été commandée pour demain après-midi, et on verra si ça marchera. Pour l'instant, c'est la galère. Du coup, pas de formation aujourd'hui. J'ai prévenu ma cadre, j'ai prévenu la formatrice. Pas de formation demain, mais de toute façon, je mettrai Théo chez la nounou, puisque de toute façon, faudra gérer la voiture en même temps. Et puis voilà, et après je suis en vacances et ça me fera du bien, mais j'espère que j'aurai une voiture pour vendredi. Voilà, voilà, voilà l'histoire d'aujourd'hui. On n'est pas un vendredi 13, mais c'est un 13 quand même, et c'est la merde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette journée du mardi. Aujourd'hui, je suis contente, il y a du soleil. Ce qui va permettre à mon ami mécano de bricoler sur la voiture. Voilà, donc la pièce a été commandée. Elle va être changée dans l'après-midi. C'est une très très bonne chose. Voilà, donc ça prend moins de temps que si j'étais passée par mon garage habituel qui me retenait la voiture pendant plusieurs jours. Là, avec un peu de chance, la voiture va marcher d'ici la fin de la semaine. Voilà, d'ici aujourd'hui ou d'ici cet après-midi. Et voilà, ça va me permettre de faire 2-3 courses que j'ai à faire et surtout de récupérer les enfants en fin de semaine. Voilà, donc petit Théo, je vais l'emmener chez la nounou puisque cet après-midi, il faut que je teste la voiture. Et aussi, c'est que j'ai envie d'avoir un peu de temps pour moi. Voilà, pour m'occuper de papier, pour souffler un petit peu. Voilà, et parce que de toute façon, la nounou, ce mois-ci, elle garde pas beaucoup Théo, étant donné que j'ai pas mal de congés. Donc, je lui ai dit que je lui mettais quand même Théo, même si j'étais à la maison. Donc, voilà, pour qu'il ne perde pas l'habitude, d'une part, et puis pour elle, que ça lui fasse quand même des revenus, et voilà, et puis moi, ça me fait du temps libre. Et
Eh, bouge pas trop, sinon le pipi il va aller partout. Non, pas pipi. Après. Avril. 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 Voilà, t'as fait pipi. Bravo Théo. Eh non, 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 mets pas les doigts dedans. Non. Tu me fais voir ce qu'il y a dans le pot? T'as fait quelque chose? Théo? T'as fait quelque chose? Oui. Fais voir. Fais voir. Fais voir. Oui! Bravo! Journée du 16 janvier 2020, dernière journée avant l'arrivée de la tribu demain soir. Voilà, on profite qu'il fasse beau temps pour aller faire un petit tour du côté de Aix-les-Bains et en même temps j'aurai quelques courses à faire pour nourrir tout ce petit monde demain soir. Donc voilà, on aura les enfants et on aura un ami qui viendra dormir à la maison. Donc voilà, pour l'heure, et ben c'est balade. Il y a petit Théo qui est avec moi. Petit Théo qui est propre depuis hier soir, donc il fait ses besoins dans le pot et il demande lui-même le pot. Il le sort lui-même des toilettes. Il s'installe lui-même dessus et il fait les besoins. Et ça s'est passé tout naturellement, sans aucun pleur hier soir. Je suis trop contente. Du coup, ce matin, on a envoyé une vidéo à son père pour lui montrer les progrès de Théo. Pas de réponse, d'accord. Super, on voit que le papa est super investi dans les progrès de son fiston. Et en plus, il me demande de le garder vendredi, sachant que je vais chercher les aînés le soir. Donc, habituellement, je lui demande s'il veut les garder, parce que comme ça évite à Théo de faire de gros trajets. Et ben là, voilà. Vu qu'il est super intéressé par son fils, j'ai pas envie de le confier demain. D'autant plus que demain, je récupère les enfants plutôt que prévu. Je les récupère autour de 19h au lieu de 20h, 21h habituellement. Donc voilà, je pense que Théo va rester avec nous et puis voilà. Mis à part ça, j'ai pas vlogué la semaine dernière. J'ai eu des soucis. Soucis de voiture, j'avais le boulot, j'étais fatiguée, j'ai été convoquée par la maison de la justice pour un rappel à la loi qu'il ne faut pas envoyer des messages entre guillemets malveillants à monsieur, alors que là, hein, c'est comme ça. Dans la malveillance que j'ai envoyée, c'est que madame est une traîtresse, monsieur est un traître, je vois pas ce qu'il y a de plus malveillant quand on appelle un chat un chat. Bref, donc j'ai eu ce petit rappel à la loi hier après-midi. Et monsieur, lui, a eu un rappel à la loi pour les menaces de mort qu'il a proférées contre moi, contre Théo et contre mon compagnon du moment. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Donc finalement, il y a quand même un peu de justice quelque part. Il n'y a pas que moi qui me suis fait taper sur les doigts. Voilà. La voiture, quant à elle, elle a été réparée avant-hier soir, donc je suis très contente. J'ai trouvé un bon mécano personnel qui a fait du très bon travail. Et donc il m'a même proposé d'être le médecin de la voiture. Donc voilà, donc c'est un très bon travail avec les factures à l'appui de tout ce qui est fait, de tout ce qui est commandé comme pièce, etc. Et je paye beaucoup moins cher que dans une grande branche de garage. Voilà, donc il m'a démontré que pour
des travaux que j'ai faits chez Seat, donc à savoir le clignotant, les plaquettes de frein et tout. J'en ai eu en tout pour 734 euros et c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il aurait pu faire comme travail sur mon véhicule. Donc voilà, d'où mon intention de ne pas retourner dans ces gros garages. D'autant plus que voilà, le moteur de mon véhicule n'a pas été lavé, rien du tout. Le niveau d'huile n'avait pas été fait. Enfin, il y avait plusieurs choses que les garages font habituellement, enfin, de ce que j'ai déjà vu dans le passé, et là qui n'ont pas été faites. Donc voilà, payer 734 euros pour des réparations qui coûtaient beaucoup moins cher et voilà, pour un entretien qui est vraiment survolé. Voilà, je vois pas l'intérêt de continuer à aller dans des grands garages comme ça. Du coup, voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé un vrai mécano qui a ses propres outils, qui a ses propres, son propre matériel à disposition, sa propre valise de diagnostic, etc. Donc voilà, c'est vraiment un petit confort. Voilà, d'autant plus que bah, étant toute seule à la maison, à avoir un revenu et à régler la nounou, le loyer, etc. Voilà, c'est un petit confort si je peux faire quelques économies comme ça sur des postes assez importants. C'est pas négligeable. Tu cours jusqu'à ce beau gosse? Et tu recommences? L'atterrissage, hein. Voilà, il est 16h20 avec bébé. On a fait notre petite balade à Aix-les-Bains qui était bien sympa, un petit peu courte parce que malgré qu'il y a un superbe soleil, il fait pas si chaud que ça. Et du coup, eh bien là, on va aller voir la famille de cœur, n'est-ce pas, toujours sur Aix-les-Bains. Voilà, donc on va se réchauffer avec un bon petit café, un bon petit chocolat chaud, et puis discuter comme ça avec des personnes à qui on tient. Voilà.
Et donc, ça fait du bien d'être au chaud dans la voiture, hein, parce que ouais, c'est vrai que là, malgré les gants, malgré le bonnet et tout, ça fait vite. Et bienvenue dans ma journée vlog du vendredi. Il est 16h, j'ai petit Théo qui est à la sieste, qui dort depuis un petit moment. C'est très bien, ça lui fait du bien, je suis super contente. Voilà, j'avais plein de choses à dire, mais je ne sais plus par quel bout commencer. Voilà, donc hier on a rendu visite à ma maman de cœur et ma grande sœur de cœur à Aix-les-Bains. Donc je vous avais laissé sur des images de vlog de Théo dans son parc. Donc après on est allé dans ma famille de cœur, ensuite on est reparti, on a fait 2-3 courses et on est rentré à la maison, on s'est fait une petite soirée en amoureux. Et donc bonne nouvelle, Théo est propre depuis hier matin. Donc hier matin, je ne l'avais pas mis dans le vlog, je ne sais même pas si j'avais vlogué hier matin. Et petit Théo me regarde et me dit « Je veux aller aux toilettes ». Donc, je lui dis « Ok, on va chercher le pot. Tu veux aller sur le pot ?»« Oui, je veux aller sur le pot. » Et donc, je lui défais la couche. Il se pose sur le pot sans pleurer, sans résistance, sans appréhension. Et là, qu'est-ce que j'entends? Le pipi qui coule. Donc, je lui fais la fête. Je lui dis « Ouais, super, bravo Théo !» Je lui fais comprendre que c'était une très bonne chose. Et ensuite, il s'est relevé, il a voulu remettre la couche. Et donc, il ne l'a pas remise tout de suite. Et tout d'un coup, paf, il y a une crotte qui est tombée. Donc, au lieu de dramatiser le truc, ouais, c'est sale, t'aurais pu la faire dans le pot et tout, j'ai pris la crotte avec du papier toilette, je l'ai remise dans le pot pour lui expliquer, la prochaine fois, la crotte, tu la mets dans le pot. Donc, il a regardé et il a tout de suite compris. Donc je l'ai nettoyé, etc. Je l'ai lavé, je lui ai mis sa couche et donc on est reparti à faire chacun nos activités. Et 2 minutes plus tard, il y a Théo qui me dit le pot. Donc rebelote, je lui enlève la couche, je le pose sur le pot et là il a posé une deuxième crotte. Donc je me suis dit, eh bien pourvu que ça dure, hein, j'espère que c'est pas un épisode spontané comme c'est déjà arrivé il y a 2 mois. Donc, il y a 2 mois de ça, Théo était prêt à être propre, mais quand il est allé chez son père, eh bien, ça n'a pas été relayé. Donc, du coup, on a continué de mettre des couches sans insister plus. Mais là, ça fait, avec aujourd'hui, ça fait 2 jours et demi qu'il est propre. Donc, je continue à bien être à l'écoute de son petit corps. Hein, quand il me dit toilette ou mal au ventre, hop, je lui propose, tu veux aller sur le pot. Et automatiquement, et ben ça fonctionne. Du coup, on a des couches qui sont propres. Il n'y a plus de galère d'essuyer le gros caca bien collant sur les fesses. Et ça, c'est une très bonne chose. Du coup, hier soir, j'ai racheté des couches culottes. Et donc, je lui dis, on met la culotte. Je ne dis plus, on va remettre la couche. Je lui dis, on va mettre la culotte. Comme ça, on va essayer de faire une transition toute douce de la couche culotte à la culotte simple. Et ma foi, bah, si tout se passe bien, Théo sera propre pour sa rentrée au mois de septembre prochain. Donc cet après-midi, cette fin d'après-midi plutôt, ça va être le vendredi habituel, hein, vendredi marathon. Là, je viens de recevoir des messages de Marie et d'Alexandre qui me disent « il neige à Prat ». Donc je sens que ce soir, on va s'amuser sur la route, super. Donc je disais,
Cette fin d'après-midi, on attend un ami qui vient de Grenoble, qui arrive sur Chambéry à la gare à 18h, donc je vais le chercher. Et ensuite, suivant son état de fatigue, soit je l'installe chez moi, à la maison, soit il m'accompagne dans la neige pour aller chercher les enfants. Théo, lui, j'avais prévu à la base de le laisser à son père. Voilà, de le laisser à son père pour moi ensuite faire le trajet, voilà, sans, comment dire, pour chercher ses aînés, donc sans, voilà, sans le contraindre à faire trop de voyages. Donc il aurait été bien avec son père, au calme, tranquille, chez son père, etc. Mais voilà, je trouve que l'attitude du père par rapport au progrès de Théo ces derniers jours est, comment dire, inexistante. Voilà, j'ai envoyé des vidéos de Théo qui avait fait ses besoins sur le pot. Donc voilà, il n'y a pas eu plus de réaction que ça. Ce matin, il y a Théo qui a fait ses besoins sur le pot. Je lui ai fait comprendre, bah tiens, on va envoyer la vidéo à papa. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Jusqu'à hier soir, pas de réponse. La seule réponse que j'ai eue ce matin, c'était c'est pas parce que je ne dis rien que je ne trouve pas que c'est bien. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, ben de base, je voulais te laisser Théo. Mais vu ta réaction et ton manque d'investissement par rapport à Théo, et étant donné qu'il est dans une phase où il va être propre, je pense que je vais le garder. Donc je vais le garder de ce soir jusqu'à demain. Parce que si je le mets chez toi et vu le peu d'investissement et le peu d'intérêt que tu lui portes, je pense que le pot ne va pas être relayé. C'est-à-dire que je pense que si je laisse Théo là-bas, il va lui remettre des couches comme un gros bébé. Il va pas lui proposer le pot, il va pas proposer le rehausseur. Et quand il reviendra samedi, enfin, c'est-à-dire demain, eh ben, il y aura tout à reprendre. Donc, je préfère garder la main et puis laisser monsieur tranquille avec sa femme, avec ses futurs enfants à venir. Et puis, ben, il récupérera Théo, eh bien, la semaine prochaine. La neige, Théo! Bon, on attend Miss Tinguette, n'est-ce pas? Qui se fait attendre. Ça neige! Hey, c'est des baguettes! C'est pas pour jouer! Voilà, hein, qui c'est qui lui apprend les bêtises? Il mange le petit cheval? C'est bon! Allez, mange le petit cheval. Fais de dos. Fais de dos. Regardez comment exploiter les plus grands. Un à la vaisselle et une qui sèche. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma journée du dimanche. Il est à peine 8h15 du matin, les enfants dorment encore. Mon ami Xavier s'est réveillé en même temps que moi et là il est tranquillement en train de fumer sa cigarette sur le balcon. Donc je vais en profiter pour vous présenter ce qu'il m'a offert hier soir pendant notre virée shopping. C'est un petit livre que je ne connaissais pas. Je ne connaissais même pas le concept. Donc ça s'appelle un journal à compléter. Voilà, 5 ans de réflexion. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, c'est un joli bouquin comme ça. Donc comme vous voyez, voilà, ce livre m'appartient. Il m'a été offert par Xavier. Comment ça se présente à l'intérieur? Donc voilà, on a des pages donc avec tous les jours une question différente. Et là, on a des petits
plein de repères. Donc là, ce sera pour l'année 2020. Ici, ce sera pour l'année 2021, 2022, 2023, 2024. Et donc, chaque année, je réponds à la même question. Donc là, par exemple, l'achat le moins avouable sur votre relevé bancaire. Voilà, donc 2020, je vais noter quelque chose. 2021, je verrai quel sera mon prochain achat inavouable, etc., etc. Et donc, voilà, on pourra noter au bout de 5 ans notre évolution mentale. Voilà, on pourra voir les changements qui se sont effectués dans nos pensées, dans notre façon d'être. Enfin voilà, je trouve que c'est très marrant comme concept. Et moi, j'ai commencé à le remplir parce que voilà, il m'a été offert un petit peu en retard, mais en même temps, voilà, je connaissais pas non plus ce concept que je trouve vraiment très beau. Mon café, c'est joli comme c'est fait.